œuvres et ami de passage, bienvenue dans cette cathédrale pour cette messe dominicale particulièrement marquée par l'envoi en mission. Nous demandons au Seigneur qu'il fasse de chacun d'entre nous de bons disciples missionnaires pour son Église. Nous allons accueillir Oliver qui sera baptisé au printemps. Seigneur, je suis, envoyé par le Père, pour guérir des sauvés les hommes. En pitié de nous. Seigneur, en pitié de nous. Seigneur, en pitié de nous.
force qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Thank you.
à être rassasié et à souffrir de la faim, à être dans l'abondance et dans les privations. Je peux tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaire quand j'étais dans la gêne. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, magnifiquement dans le Christ Jésus. Gloire à Dieu notre Père pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. En mission, et nous savons que la parole de Dieu est vivante
et qu'elle nous communique dimanche après dimanche un message, un encouragement. Alors frères et sœurs, qu'est-ce que Dieu voulait nous communiquer aujourd'hui en ce dimanche où nous sommes envoyés par lui-même en mission? Vous avez entendu cette histoire du roi qui invite à une noce pour son fils, et puis certains viennent, d'autres non. Et à la première lecture de ce passage, nous pourrons peut-être repenser à ces événements que nous avons organisés, un mariage, un dîner, une fête, et à la joie qui nous a procuré la venue de telle ou telle personne. Quand nous organisons une fête, et d'ailleurs nous en organisons une à l'issue de cette messe, vous êtes bienvenus pour venir fêter cette nouvelle année, quand nous organisons un événement, et bien c'est le moment où nous vérifions en quelque sorte la qualité de l'amitié, la qualité du cœur de chacun. C'est un peu la première histoire que nous entendons avec cette première lecture. Il y a aussi naturellement la qualité de l'habit. Comment je m'habille pour aller visiter un ami ou une fête? Comment je l'honore par l'habit que je porte? Mais à travers cette parole de Dieu, il y a un autre message, il y en a même deux. Ces noces dont parle l'Évangile, ces noces, c'est naturellement la messe. Ce banquet auquel nous sommes invités, c'est le banquet céleste. C'est la messe, c'est l'Eucharistie. Et peut-être vous l'aurez remarqué sur votre feuille d'annonce, nous inaugurons aujourd'hui un nouveau logo pour la paroisse. Ce logo, nous l'avons réalisé l'an passé avec l'équipe d'animation qui se réunit une fois par mois. Donc merci à ceux qui l'ont proposé jusqu'au mois de juin, Mathieu, Marion, Stéphanie, Hugues, Jean-Rémy, Patricia et Lionel. Et surtout sur ce logo, si vous regardez, nous voyons bien sûr la cathédrale, nous l'avons choisie parce qu'elle se détache quand nous regardons la ville de Châlons. Et surtout nous voyons sur ce logo un soleil qui est le cœur de Dieu, ce soleil qui est l'Eucharistie, ce soleil qui est le repas de noces. Frères et sœurs, nous sommes invités à honorer la messe, à honorer ces noces que le Fils de Dieu nous a livrées sur sa croix avec l'Eucharistie. Ainsi, frères et sœurs, ce repas de noces, c'est ce rappel ô combien important. Nous sommes invités à constituer cette communauté, cette paroisse, à partir du dimanche, à partir de la messe. Frères et sœurs, dans cette parole, nous pouvons être les invités. Vous êtes les invités à ce dimanche. Mais nous sommes aussi appelés à être les serviteurs du roi, ceux qui sont envoyés par Dieu pour aller chercher sans cesse leurs frères. Frères et sœurs, si la parole nous donne aujourd'hui un message, une invitation, c'est celle-ci. Nous sommes responsables de nos frères. Nos frères cherchent Dieu, ils cherchent Dieu. Cela passe par des questions, parfois détournées. Et le cœur de Dieu, le cœur de l'homme, cherche le cœur de Dieu. Ainsi, en ce dimanche, cette parole de Dieu nous invite à être comme ses serviteurs qui vont sans cesse chercher, chercher, chercher ceux qui ne sont pas encore connectés à la grâce de Dieu, à Dieu lui-même. Frères et sœurs, cette année encore, nous allons poursuivre cette grande proposition de faire de nouveaux chrétiens, de nouveaux catholiques, à partir de ce grand projet Alpha. Tout à l'heure, nous serons invités plus précisément à inviter nos amis à rencontrer le Christ à travers ce grand projet d'Alpha. Nous sommes aussi heureux que ce projet du catéchuménat et de la confirmation adulte se déploie. De nouveaux grands jeunes se sont inscrits pour être baptisés. Le Seigneur sans cesse nous envoie de nouveaux chercheurs de Dieu.
J'ai reçu il n'y a pas très longtemps de nouveaux fiancés pour la préparation au mariage. Alors nous prenons d'abord la date pour le mariage, au mois de juillet 2018. Et elle me dit à un moment donné, mais vous savez, je suis attirée par la foi et je suis de culture musulmane. Je voudrais non seulement me marier à l'église, mais aussi me préparer au baptême. Alors j'étais évidemment dans la joie et je lui ai dit, mais Marina, c'est merveilleux, nous allons bien sûr vous préparer au mariage et vous préparer au baptême. Et puis je me tourne vers le fiancé qui me dit, voilà mon père, nous nous sommes rencontrés il y a 4 ans en face de l'église Saint-Pierre, au bistrot, et voilà, cela a fait son chemin. Non seulement je souhaiterais me marier, mais aussi être baptisé. Et voilà que Julien me disait que lui aussi désirait être baptisé. Des Marina et des Julien, il y en a beaucoup ici à Chalon, qui au fond cherchent Dieu. Alors chacun d'entre nous, vraiment, nous sommes invités à être extrêmement attentifs et être ces passeurs de Dieu, tous ceux qui conduisent à Dieu. Demandons dans cette messe, vraiment, que nous soyons renouvelés tous dans notre cœur de disciples, c'est-à-dire amis profonds du Christ, qui vivons une intimité de prière avec lui, de disciples missionnaires, vous savez, disciples conduits à la mission. Demandons au Seigneur, car c'est majeur aujourd'hui, que nous soyons renouvelés dans cette intimité avec le Christ et dans cet élan pour la mission. Qu'elle soit fidèle et rayonnante.
avec ses offrandes, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens de mon avenir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre, veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Benoît, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblées devant toi, et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. En particulier pour Augustine et Henri Ménestrier et leur famille. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
ainsi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
quelques instants, nous sommes invités à nous retrouver dans la cour du presbytère pour un vin d'honneur, pour nous réjouir de la dépasser et de tous les fruits de cette année qui vient. Mais auparavant, je vous propose que tous ceux qui sont nouveaux sur la paroisse acceptent de se lever pour les identifier. Si vous voulez bien simplement vous lever, ceux qui sont nouveaux sur cette paroisse. A besoin de vous.
tous dans cette paroisse. Il y a une place pour tout le monde. Et dans l'équipe, nous avons besoin de mains qui savent cuisiner, qui savent préparer, être là pour préparer la salle également, pour animer des groupes de discussion, assurer des tournois. Il y a vraiment la place pour tout le monde et je suis très émue pour vous faire part de ce très beau projet. Sachez-le, cette équipe est exceptionnelle. Quand je pense à Claire et Mathieu, ils sont vraiment tellement engagés et on est ravis de vous avoir avec nous. Et un système de SMS sera mis en place pour vous relancer. Et parlez-en autour de vous. Soyez des disciples. À bientôt. Merci. Merci Marie-Angèle, vous l'avez compris. Donc rendez-vous à Alpha. Alors si vous voulez faire un immense plaisir à Marie-Angèle qui était la responsable du buffet, pour une fois vous ne sortez pas par le fond, mais vous sortez tous par cette petite porte latérale. Vous allez découvrir les merveilles des ducs.